capable de gagner une bonne foi pour que CSPJ lui-même rende service à la communauté haïtienne pour essayer assainir le système judiciaire là, parce que nous connaissons le système judiciaire dans un pays qui est fondamental. Donc, dans un pays côté système judiciaire là, faible, eh bien, c'est le résultat que nous gagnons là. Côté que c'est bandit qui a fait railler, c'est bandit qui a fait la loi, c'est bandit qui a coupé et raché un dans le pays. Mais là, on a parlé des bandits, nous pas parlé des bandits seulement nèg sans sapat, nèg à sapat, mais on a parlé des bandits qui prend l'État en otage, sorti dans Ariel Henry et passé prend tout le ministre qui accompagne lui. Pour nous-mêmes, jusqu'à présent, c'est des bandits par le fait que n'ont pas jamais posé aucune action pour montrer qu'il a fait un travail au service de la communauté haïtienne. CSPJ, moi, félicite pour l'action que vous posez et là que vous dites, il y a assaini le système judiciaire là. Mais moi, observé un ensemble de réserves par rapport avec et action ça. Pour qui ça observe les réserves là? D'ailleurs, dans la loi, nous estimons qu'il y a un déficit. Il y a un déficit énorme dans la loi et qui régit l'organisation et le fonctionnement de CSPJ. Pour qui ça? Lorsqu'on prend décision contre un monde quelconque, eh bien, il faut qu'on ait possibilité avec quel que soit le monde qui a une décision qui sort à l'encontre de lui-même pour qu'il soit capable de produire défense. Par le fait que loi pas offrir possibilité pour produire défense pour dire est-ce que telle décision est correcte ou pas pour faire valoir droit, eh bien nous estimons loi ça son loi qui anti constitution haïtienne, parce que en droit il est des principes que la défense est un droit sacré inaliénable et imprescriptible ou pas capable prescrire droit pour nous défendre tête li. Automatiquement, il y a une loi qui prescrit droit pour nous défendre tête li. Eh bien, donc, loi ça, c'est une loi qui allait à l'encontre de la loi mère, là, qui c'est constitution, et il y a un ensemble de conventions que Haïti lui-même les ratifie. Il y a des recours, nous connaissons, qui exercés auprès des CSPJ. En vertu des dispositions de la Constitution, eh bien, CSPJ, pour moi-même, t'as dû apprécier ensemble d'Éric Poussario avant même les sorties mémorandum. Par le fait qu'elle pas apprécié ensemble des recours qui exercé à l'encontre des décisions de non-certification des juges, eh bien, moi-même, m'estimé CSPJ allait trop vite en besogne. Mais, côté très critique avec CSPJ, c'est parce que dans ce système-là, nous tout connaissons l'aide. Il y a un ensemble de juges, il y a un ensemble de commissaires qui dans ce système-là, là, actuellement, là, pendant qu'on a parlé là, nous connaissons les reprocher de côté de faire des exécutions sommaires. Il a fait exécution sommaire. Il y a là dans yo reproché yo des assassinats sous journalistes. Yo reproché yo des malversations. Il y a des juges de paix yo reproché yo qui dans toute forme de confiolo. Cependant, nous wè gen une catégorie de juges et commissaires CSPJ pas certifié yo. Li di moun sa yo nan bagay ki pas bon. Cependant, gagner des commissaires, des juges qui publiquement fait des déclarations côté yozi a exécuté moun. Nous ouais CSPJ pas poser aucune action à l'encontre de yo. Pour nous mêmes nous ouais décision CSPJ a sont décision de poids et de mesure. Est-ce que décision ça c'est pas règlement de compte? Pour qui ça, pas gagner de yon appréciation totale qui fait sous tout juge dans le système là. Là, au fin fait appréciation totale,
bay possibilité pour juge yo exercer recours yo juge commissaire et la trier yo exercer recours yo si te gagne erreur dans appréciation dossier yo pour yo rectifier les tirs avant même yo sorti un mémorandum pour mander que pour yo pour doyen yo pour responsable de juridiction yo récupérer tout matériel que yo te désir avec juge et commissaire ça. Donc pour moi-même observer en pile réserve par rapport avec mémorandum là parce que pour moi yo pas apprécier des fonds en compte totalité juge qui dans système là tout ça yo dit qui dans corruption yo. Si il y a des monde qui reproche qui produit des défenses qui dit non yo pas dans corruption. Eh bien, il faut qu'on ait une possibilité pour que vous traitez la question ça pas devant une juridiction compétente. Ces juridictions compétentes, dans son tribunal, pour moi-même, son tribunal qui a dû trancher définitivement sous fait ça. Et m'a précisé, la question administrative, lorsqu'il s'agit d'une question administrative, juge, c'est des. Et on dit fonctionnaire de l'État parce que yo nommé. Et bien si yo estimé gagne une décision illégale et arbitraire qui prend à l'encontre de yo, yo gagne pour devoir pour exercer. Il y a plusieurs types de recours. Gagne un recours gracieux. Recours gracieux ou exercer pas devant l'autorité qui a pris la décision. Par exemple, CSPJ prend une décision ou exerce un recours gracieux par devant CSPJ. Dans l'éventualité où CSPJ pas obtempéré, ou fait un recours hiérarchique. Recours hiérarchique, là, il exerce auprès de l'autorité supérieure de l'autorité qui a pris la décision. Si il n'est pas obtempéré ou capable d'exercer un recours de tutelle, c'est ministère de tutelle par rapport à telle décision, et bien pour exercer un recours de tutelle. Si toute voie ça yo l'offin épuise toute voie de recours ça yo en matière administrative, et bien vous pouvez faire un recours judiciaire par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Laisse ça si yo estimé décision CSPJ yo prend en conformité à la loi et la constitution et les conventions, eh bien, ça y a maintenu décision. Si vous estimez décision ça, vous violez la constitution, vous violez la convention, vous violez la loi, eh bien, y a cassé. Si vous en conformité, ça y a quimbé décision, y a dit et CSPJ de BH. Donc pour moi-même, je m'estime qu'il y a un pile ambiguïté dans la façon dossier ça a traité. Moi-même, je pense qu'il faut que je traite là avec tes frères. Et tout le monde qui est impliqué, qui est dans la malversation dans le système là, faut que vous tout passé au crible de CSPJ. Mais il faut que les fêtes en respectant les normes, les principes édictés par la Constitution, les conventions et les lois. M'absalier la presse d'abord. Et par rapport avec mémorandum qui prend dans le cadre des magistrats non certifiés, et moi-même comme avocat professionnel, défenseur et du droit, d'abord défenseur des personnes victimes et défenseur de la société en quelque sorte, comme c'est un homme qui a bataille pour respect des droits humains. En fait, et comprendre capable de gagner